Lyonnaise interprétée donc par nos 8 candidats, les 8 candidats de la première saison d'Africa Star. S'il vous plaît, pour eux encore, faites du bruit, applaudissez-les. Alors, si vous ne les connaissez pas encore, présentation. Il représente le Cameroun anglophone et francophone. Il s'appelle Sydney. Elle représente une magnifique ville que nous aimons chanter, surtout un certain Takana Zion, Conakry. Elle s'appelle Sia et elle représente la Guinée. Bonsoir tout le monde. Ça te plaît que je chante Conakry? Conakry, cette ville que j'aime beaucoup. Conakry. D'accord Sia, d'accord. Vous l'avez compris, sa passion c'est la chanson. Elle n'aime que ça, chanter, chanter encore et encore. Et elle chantera pour nous ce soir. Il représente la Côte d'Ivoire. Il s'appelle Rico. Ça va, Rico? Bon. Regardez comme elle est belle, comme elle est divine. Elle est éblouissante. Elle est l'incarnation de la beauté. Et elle sait également donner de la voix. S'il vous plaît, BBS du Mali. Hein, ce t-shirt? Regardez l'attitude qu'il a, cette attitude de fierté. Regardez-le, fier, debout, fort, comme son pays, le Gabon, Joël Evans. Bonsoir Joël. Bonsoir. Merci encore, merci à tous. Je tente de danser le bala pour te faire honneur, ma chère Oulidi, représentante du Sénégal. Bonsoir. Elle dansera le mala pour nous tout à l'heure. Elle dansera et elle chantera pour nous. Il est heureux d'être là, je le sais. Il le dit et le répète à qui veut l'entendre. Il représente le Bénin, il s'appelle Gaël. Salut Gabon! Et puis, la représentante de la... J'allais dire la démocratique du Congo. Mais si on ne met pas République devant, on peut tout confondre. La République démocratique du Congo est représentée par Christelle. Bonsoir, bonsoir Libreville, bonsoir à tous. Ça va Christelle? Ça va. Ça va mieux? Faut juste expliquer encore et encore que Christelle est la dernière candidate à avoir rejoint l'aventure. Et pour elle, les choses furent difficiles, plus que difficiles. Mais maintenant, elle est dans la compétition, elle y est, elle y va, elle va se battre. Et elle va peut-être gagner, cela dépend de vous, de vos votes. Vous, chers téléspectateurs, et du public également. On applaudit encore Christelle. Ah, je vous sens bien là. Je vous sens bien en ce moment. Comment s'est passée la semaine? Semaine de travail, qui veut parler? Personne n'ose parler, hein? Parce que beaucoup ont fait des bêtises. Beaucoup n'ont pas travaillé comme il leur est fallu. Certains sont allés se promener dans les rues de Libreville. Certains garçons, comment vous dire? Enfin bon. Et les jeunes filles sont restées très sagement dans leur villa à travailler quant à elles. Ah oui, c'est comme ça. Alors donc, comment s'est passée cette semaine? Oui, ah bah tiens, puisque tu veux parler, mon cher Gaël, nous t'écoutons. Comment s'est passée cette semaine pour toi? Super. C'est-à-dire? Sans problème, beaucoup de travail. Oui. Ça veut dire que ce soir, tu es au top. Ouais. Tu es le meilleur. Ouais. Eh bien, nous verrons ça, mon cher Gaël. Sia, comment ça va, Sia? La semaine? Cool. Semaine cool? Semaine vraiment intense. Très bien. Laissez-vous aller, c'est Africa Star, c'est le show. Et puis également préciser, rappeler que Pierre Akenengue est le professeur de chant et candidat d'Africa Star. S'il vous plaît. Pour vous présenter ce deuxième numéro d'Africa Star, j'appelle celui qui déjà pour la première émission était à mes côtés. Malheureusement, dans quelques minutes, on le rappelle, c'est une compétition des jeunes talents du continent. Nous avons 5 primes qui nous restent donc pour découvrir la star de l'année. Et ce qui est très important de dire et de dire à tous les téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent donc depuis le continent mais aussi du reste du monde, c'est que pour découvrir la voix de l'année, votre rentre dans une école afin de comprendre ce qu'est la discipline. Regardez. J'ai une classe pendant 1 heure. Je sais que ça ne va pas du tout facile pour moi parce que c'est une chose que je n'avais jamais fait. Non mais c'est vrai, non mais c'est vrai. Non, je suis pas d'accord. Non mais c'est vrai. Est-ce que vous êtes d'accord? Non mais attendez, je me tourne vers les membres. Christelle, 4 pour Joël Evans, 5 pour Oulidi, 6 pour Rico, 7 pour Sia et 8 pour Sydney. Voilà, vous savez maintenant, vous qui nous regardez à la maison, comment faire pour voter pour votre candidat ou vos candidats préférés. Appelez. Si vous ne souhaitez pas les voir à l'issue du 4e prime, éliminez de l'aventure Africa Star, votez. Allez, tout de suite, voici la première épreuve solo. Nous allons retrouver Christelle de la République démocratique du Congo pour une magnifique... Quand je suis avec la force et le sourire, le poids levé vers l'avenir, et la tête, et le temps, sans être tourné ni fort, la vie ne m'en laisse pas le choix, je suis là qui va. Se diriger vers les membres du jury et de connaître leur avis. Et nous allons commencer par le nouveau venu, monsieur José da Silva. Que penses-tu de la prestation de Christelle? Je ne sais pas si c'est une bonne idée de commencer par moi. Oh si, c'est toujours une bonne idée de commencer par l'un des membres. Écoute, moi je ne suis pas bluffé, je pense qu'il y a beaucoup de boulot à faire là. Au niveau de la voix, vraiment, il y a beaucoup de travail. On écoute. Non mais bon, je sais que je vais être le mec détesté de la soirée, mais c'est pas grave. Je fais mon métier. Non mais c'est vrai, là il y a beaucoup de travail à faire au niveau de la voix et aussi au niveau de la prestation scénique. Je pense qu'elle n'ose pas encore, faut y aller quoi. Faut y aller, faut travailler, et il y a encore du temps. Bon, Christelle, tu en es consciente? Oui. Faut y aller, hein. Bon. Diane. Ben, Christelle, comparativement pour mes primes, je te sens un peu dans le bain du sujet. Mademoiselle Diane, oui. Veux-tu parler bien dans le micro pour que l'on puisse bien t'entendre? Comparativement pour mes primes, ce soir je te sens un peu dans le bain du sujet, mais sauf que tu as un petit problème côté ta présence. On dirait qu'on te forçait à danser. Tu n'es pas souple, tu manques de souplesse. Hein? Va falloir que Bernard, tu passes avec lui. Alors... Enchaînement facile. Non, Bernard, est-ce que finalement, parce que Bernard Lebeau est à la fois le chorégraphe de tous les danseurs que vous voyez donc sur ce plateau, mais Bernard Lebeau est également celui qui permet aux différentes personnes, là sur scène, notre candidat, le goût de la... Ce soir, je prie en mon envie de bouger à cette danse. C'est Ladies Night, tu es à l'honneur, à l'honneur danse. Je m'éveille sur ta sensualité, mais qu'on pense, c'est plus que je ne peux endurer. Donne-moi une chance, ne rentre pas chez toi ce soir. En plus, c'est avec moi ce soir, et c'est avec moi qu'arrive est tard. Rentre pas chez toi ce soir. Le groove de la basse te fait vibrer sur la séquence. Des coups qui ne cessent de me fourrer, me mettent en transe. Sois ma captive, sois ma hallucinée. Qu'est-ce que t'en penses? C'est plus que je ne peux endurer. Attends, viens danse, ne rentre pas chez toi ce soir. En plus, c'est avec moi ce soir. C'est avec moi car il est tard. En tout cas chez toi ce soir. Do it, oh no. Yeah, yeah, peut-être pas. Seul de ce monde est. Après la fête continue la romance. À tête à tête nous prenons des confidences. Yeah, les pages suivantes dit qu'on aura sommeil. Tu seras près de moi au réveil, baby. Oh, yeah, peut-être pas. Ton regard de feu fondait les lignes de la passion. À ton emprise résiste ce rêve pur descente. Tu savoures secrètement ton triomphe, telle contente. La ligne de la ligne est toute tracée. Fait que on danse, ne rentre pas chez toi ce soir. En plus, c'est avec moi ce soir. C'est avec moi car il est tard. Ne rentre pas chez toi ce soir.